Bonjour, bonjour. Preuve que la Bible a été écrite par... Quand vous perdez vos enfants en bas âge, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas vécu 20, 30, 70 ans. Bonjour. Les enfants se réveillent et meurent à moins de 5 ans. J'espère que vous allez bien. Bonjour Stéphanie, Aïssa, Emmanuel, Marguerite, Darline, bonjour. Voilà où nous sommes aujourd'hui. Vous connaissez les inspirations qu'il y a au bord de l'eau, non? Vous savez que hier j'ai fait un direct concernant les gens qui vous détestent, Loki, les personnes avec lesquelles vous avez eu des enfants, les personnes avec lesquelles vous avez commencé des deals, des business. Mon but en fait, c'est de vous faire comprendre que tout échec que vous avez dans votre vie, c'est le plan de quelqu'un. Et comme tu restes, c'est-à-dire des choses qui ne marchent pas là. Il y a les gens qui restent. Ah, ok, le mariage de telle personne n'a pas marché. Ah, c'est super. Tu sens une petite joie dans leur cœur. Je me rappelle une fois, je sortais avec un Joe. Le Joe était tellement jaloux de moi. Première fois que je sors la première chanson, je lui fais écouter ça. En fait, c'est le genre de Joe que tu vois, il ne fait rien de sa vie, mais quand il voit tes efforts pour t'en sortir, il vient avec les injures. Supposons que tu lances la vente de quelque chose, ça échoue. Tu vends peut-être deux produits sur 50 que tu as achetés. Au lieu de venir dire, waouh, tu as quand même, wow, tu t'es quand même débrouillé. Hein? Non, voilà, tu as acheté ça, tu as vendu. Est-ce que ça a même donné? Tu faisais même pourquoi? Donc, quelqu'un qui se réjouit, qui se réjouissait de mes échecs. Les soirs où tu bosses, depuis au moins 5 ans de ma vie, tous ceux qui m'entourent, enfants, mari, peu importe, ils savent que mon travail commence à 5h30 et ça finit à 22h, 23h. Period. Ça ne te plaît pas, tu laisses. Donc, vous aurez des personnes qui vont... Je ne sais pas pourquoi je peux vous dire ça. La personne sait que moi, là, je n'ai pas nulle part. Mais là, il faut que j'empêche la femme-ci de partir quelque part. Bonjour, TikTok. Et il n'y a personne de plus méchant dans ta vie ou quelqu'un qui peut t'atteindre plus que ton partenaire. Ton conjoint, ton appelez ça comme vous voulez, ton pineur, ton, je sais pas, ton chocolat. Parce que quand tu rencontres cette personne, tu lui racontes tes choses. Voilà,
Quand j'étais petite, ma mère m'appelait, m'insultait. Mon père me tapait. Oh, j'étais mince jusqu'à. Quand j'étais petite, j'avais le congolibon. Oui, on m'avait surnommé Menso. Oui, on m'avait. Tu lui as raconté tous tes faux trucs. Donc, c'est les personnes avec qui vous vous mettez souvent. Vous êtes souvent vulnérable. Et en plus, avec ton gars, tu as raconté ce que ton ex te faisait. Oh, mon ex, je travaillais pour qu'il mange. Donc voilà, tu cours, tu racontes tout. Il ne m'a jamais épousé. Wow. Comme tu racontes comme ça là. Et Ojo, il écoute. Ah, donc ton ex mangeait ton argent. Hein. Oh. Donc ton ex mangeait ton argent. D'accord. On va voir. We're gonna eat them the money. Donc ton ex t'avait laissé, il est parti à rester avec une autre femme. Hein? Ah, ok. Il prenait ton argent pour te manger avec une femme. Oh, ok. Oh non, tu vois, il est méchant. Comment il a pu faire ça? Moi, je peux jamais te faire ça. Moi, je peux jamais te faire ça. I'm the one. Oh, ouais, oh. Je suis le seul. Je suis le seul. Je suis l'unique. Et parfois, c'est vous-même qui donnez les armes avec lesquelles on va vous tuer demain. C'est vous-même qui sortez les armes. Tu dis quoi? Tu veux quoi encore? Il dit le bâton, tu donnes. Tu veux quoi? L'épée? Attends. Je te donne la lame de rasoir aussi. Pour qu'il vienne te couper tes poignets pour que tu te suicides. C'est pour ça que la nouvelle version de toi. Vous savez, il y a des entités qui sont un peu mal vues. On a une mauvaise idée de leur personnalité. Les anges et les rois. Je dirais même les reines, parce que parfois on voit le roi, oui. Mais je crois que les gens ont une mauvaise idée des reines. Oh, les anges sont doux. Oh, mon petit chien-chien. Oh, le chiot, c'est ton ange? Ah, il est doux comme un agneau. Les anges ne sont pas censés être doux. L'ange est là pour faire, pour exécuter des décrets. Il est là pour punir s'il le faut. On vous a mal décrit à l'église. Vous voyez toujours Dieu comme, ok, le lion et l'agneau. Oh, l'agneau. Dieu, l'agneau, tu es tellement doux. Tu fais mais, oh, tu es doux, l'agneau. Vous oubliez le lion. Vous devez devenir incernable. Moi, j'ai compris mes changements de personnalité. Je m'en fous maintenant. Je peux rester avec toi en une heure. Je suis agneau et lion, même 5 fois. Tu vas tu wonder, mais qu'est-ce qui se passe avec la femme-ci? Un coup, tu vois quelqu'un entre là, comme ça, l'agneau entre. Oh, merci, c'est gentil. Dès qu'elle prend ce qu'il m'a donné comme ça, il me tourne. Je gronde une autre personne. On ne doit pas vous cerner. Écrivez ici là, je suis imprévisible. Je suis imprévisible. Parce que parfois, quand vous sortez avec les gens qui veulent vous manipuler, hein, imagine, tu sors avec un homme qui veut te cerner. Ah, vraiment, tu es trop exigeante. Vraiment. Donc, il veut savoir que si je fais ça à la femme, si elle va me pardonner. Je la laisse pendant 2 mois. Elle s'occupe des enfants. Après, je reviens. Je voyage. J'arrive en Beng. L'argent que je gagne là-bas, je construis ma maison avec. Je la laisse, elle s'occupe des enfants. Elle paye tout. Voilà la rentrée scolaire. C'est elle qui fait tout. Je sais qu'après qu'elle est venue, elle veut parler, elle va me pardonner. Maman, les Anglaises me plaisent. Le temps que j'ai fait en Angleterre, là, j'ai beaucoup observé les Anglaises. Et à l'époque, j'avais encore mon esprit de Camerounaise africaine. Là. Tu avais un homme, il te tourne, il te tontonne, tu es toujours là. Tu dis, love is long suffering.
L'amour est patient. Te voilà, on te malmène que Kuchu, tu es là. L'amour est patient. Seigneur, je patiente. J'attends pour voir. J'attends pour voir. Tu es là. Oui, venez me mouiller, je vous connais. Te voilà. Il y en a parmi vous, vous êtes en train de suffoquer dans vos relations. Vous suffoquez dans la situation où vous êtes. Ça ne va pas. Et dimanche à l'église, on t'a dit que il faut patienter. On n'a pas dit qu'il faut patienter en agonisant. Hein. Un roi ou une reine, c'est quelqu'un que quand il dit sa parole, même si ça va lui coûter, il va mettre sa parole en exécution. Je te quitte. Si tu t'amuses, je ne suis plus là. Elle a les larmes aux yeux. Mais elle porte ses pieds et part. Certaines personnes ont encore le ticket pour vous déranger. Bonjour Copen, bonjour Yvette, Albi, bonjour. Certaines personnes ont encore le ticket pour vous embêter. Parce que vous avez donné l'espace dans votre tête pour ces personnes. Est-ce qu'ils payent le loyer? Ils payent le loyer dans ta tête? Si une reine ne dirige pas son royaume avec des lois, écoutez bien, j'ai dit des lois. Écrivez ici là des lois. Des lois. Vous savez à quoi servent les lois? Les lois régulent tout dans la nature. Va te mettre au 20e étage d'un immeuble, tu sautes. On va voir si tu vas voler. On va voir si les ailes vont pousser sur toi, tu vas commencer à t'envoler. Tu vas dire, oh, je vole. Parce que tu auras enfreint la loi de la pesanteur. Parce que tu auras enfreint la loi de la pesanteur. Et vous avez cette habitude-là. Que vous vous dites toujours que non, ça va aller. L'énergie que ça prend parfois à l'univers pour réparer ce que tu as gâté une énième fois, ça aurait pu te servir pour que tu avances. Vous n'êtes pas ferme dans votre caractère. J'ai eu une fois un employé dans un de mes locaux. L'employé l'embêtait parce qu'il mentait. Et les personnes qui m'aident souvent dans la gestion de cet endroit quand je ne suis pas là disent « Non, il faut laisser, observe-le encore, non. Non, observe-le encore, tu ne peux pas. Tu es trop dur. » Et moi, j'ai remarqué qu'il y a les gens qu'ils ont un degré d'hypocrisie. Moi, j'aime voir le vrai visage des gens. Si tu ne m'aimes pas, hein, ne m'aimes pas jusqu'à... Donc, comme on dit que to the moon and back, que je t'aime jusqu'à d'ici là, vers la lune, jusqu'à revenir encore. If you hate me to the moon and back. Ah, Anne-Karine, bonjour. Nadège, bonjour. I don't care about your problem, ok? You only like to talk about your problem. I don't give a f about your problem. I put a number there. Don't call me in my life and tell me about your problem.
Parfois, dans vos prières, demandez à Dieu d'exposer. Demandez à Dieu d'exposer le cœur des gens qui sont autour de vous. Parce que parfois, ce qui vous bloque, c'est parce que vous êtes entouré de personnes hypocrites. À chaque fois, je dis que l'homme-ci-là, ça ne va pas. Je dois le renvoyer. Mon collaborateur dit non, tu es trop dur. Vraiment, tu ne penses pas que tu exagères? Je lui dis, tu sais, je suis dans un domaine spirituel. Je peux reconnaître les esprits. Il y a les gens qui ont souvent les esprits là. Que tu sais que quand la personne reste avec ta marchandise comme ça là, son cœur sur ta chose n'est pas bien. Il reste dans ton magasin, il médite ton mal. Oui. Sans parler des gens que vous êtes dans mon groupe pour m'approcher par hypocrisie. Ma reine, même le sel, tu n'as pas encore pris un jour jusqu'à mettre sur toi. Tu n'as jamais acheté un produit pour mettre sur toi. Parfois, vous pensez que quand vous venez pour que je travaille sur vous, vous me faites la faveur. Mof. J'ai travaillé sur une dame. Mars, avril. Son fiancé demande, épouse-moi. Je m'appelle le jour où elle a publié dans le groupe sa bague de mariage. Et quand je l'ai pris pour commencer à travailler sur elle, elle sortait de loin. Elle a fait au moins 5 mois. Hein. 4 ou 5 mois. Elle ne travaillait pas sur elle. Si tu veux, quand tu vas écouter ceci, si tu veux, tu te désabonnes. Bah, tu m'as recontacté pour qu'elle travaille encore sur toi. Tu te désabonnes, je m'en fous. Si tu viens qu'elle travaille sur toi, je m'en fous. Mais moi, elle vous connaît. Elle m'écrit l'autre jour que ça ne va pas. Après le mariage, je dis que mamie, tu t'es mariée. On t'a bloqué pour que tu ne te maries pas pendant des années. Voilà le mariage de ta soeur qui est gâté. On traverse quand ta part commence à marcher, tu vas te marier. Tu ne me dis même pas que tu te maries. Tu vois qu'elle avait bloqué ton mariage. C'est pour ça que je vous dis que vous, les clients là, parfois, vous êtes les sorciers. Vous là. Oui, vraiment, avec mon mari, ça ne va plus. Elle dit, ah, ok. Maintenant que ça ne va plus, tu reviens encore me voir. Parfois, quand vous regardez, vous savez que le travail, c'est que Dieu m'a donné là. Si je devais appliquer mes lois que je dis là sur vous, c'est que je bloque même 50 personnes par jour. Il y en a qui restent souvent, ils vous bloquent. Moi, ils bloquent. Tu restes, tu ne me vois plus. Tu écris mon WhatsApp, ça n'atterrit plus, c'est que tu es bloqué. Si tu veux, tu sors de mon groupe, je m'en fous. Vous pensez que dans vos ralentissements, là, vous avez vu me parler, vous allez. Moi, là, vous me ralentissez, moi. J'ai un message pour toi. Oui. Mamie, je n'ai pas besoin de messages. Quand il veut les messages, je paye. Je hack up. Je ne veux pas moi les messages. Pour ta cadeau. J'ai un message pour toi. Il faut voir combien me contacte chaque jour. Si tu as les dons, va aider les gens. Le jour où je fais asseoir le monsieur, je le blâme finalement. Voilà, tu as menti à tel client, pourquoi? Moi-même quand il te demande, tu manques encore chez moi, pourquoi? Il nie d'abord. Il finit de nier. J'appelle, je vérifie l'information. C'est un client qui est venu, il a remarqué une scène. La semaine-là, j'ai eu 2 plaintes. Après, il me dit que non, j'étais stressé plutôt. Il dit que ça ne va pas. Après, il commence à se fâcher. Il dit que, mais attends un peu. Je te demande pourquoi tu me manques et tu manques à mes clients. Je vois sa vraie face qui sort. Il dit comment le manque de respect. J'ai dit, waouh. Waouh. Hier, je vous ai même dit que je n'aime pas moi embaucher les gens qui m'ont trouvé sur la page ici. Vous êtes arrogants.
Écoute, moi j'ai une règle dans la vie. Hein. Si tu penses que tu as l'argent, tu penses que tu as les dons et que tu n'as pas besoin de moi, ne viens pas demander le boulot dans mon entreprise. Parce que si tu arrives, hein, et beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas l'humilité d'accepter vos fautes. Donc voilà, toujours dans mon inbox. Oui, j'ai rêvé du papillon, j'ai rêvé du chat, j'ai rêvé de ceci. Je ne suis pas là pour interpréter tes rêves. I work, je bosse. Je bosse. Quand tu travailles dans mon entreprise, tu me vois moins que tout le monde. J'ai une personne récemment comme ça qui est venue. On a donné une pénalité à la personne, on a sanctionné la personne. En fait, la personne pensait que quand elle tombe, c'est la blague. Hein? Je suis plus dur avec mes propres enfants qu'avec tout le monde. Et je crois que vous avez Alice au pays des merveilles dans votre tête avec, par rapport à la vie. Tu viens, tu te mets, tu travailles pour moi, il sort mon argent, il te donne. Et c'est toi qui me dis ce qu'elle veut faire. Tu as menti. Tu as menti. Sans parler des vagabondeurs là. Les prostituées spirituelles. Tu as 50 personnes qui te suivent. Un jour, je me suis rendu, il y a une femme qui m'a fait ça. Je travaille sur elle, je vois ça ne marche pas. Je travaille. Après un mois, elle revient encore, les mêmes problèmes de couches de nuit. Je dis, mais attends un peu. Si elle travaille sur toi pour les couches de nuit, et je vois ça continue. Soit toi, tu allais ouvrir la porte quelque part. Donc, on se parle ce jour-là. Elle me dit, oui, je vais venir au Cameroun pour voir telle personne pour qu'elle travaille sur moi. Elle dit, hey, donc, comme tu es en train de venir me voir là, il y a encore une autre personne qui te suit spirituellement. Mamie, Abeg, sors de mon groupe, désabonne-toi de ma page. Vous faites de telle façon que si vous avez même eu PC, tu ne peux pas savoir qui a fait. Tu accouches l'enfant, tu ne sais pas qui est le père. Bah, tu as 50 gars qui font l'amour avec toi. Et quand tu adresses ce genre de personnes, là que tu vois son vrai visage. Non, elle est dure. Elle parle mal aux gens. Non. Je ne tolère pas. Je ne prends pas vos bêtises. I don't take your bullshit. Allez voir vos pères qui vont vous supplier chaque mois. Ils t'appellent le 30 du mois déjà. Ma fille, je vais toler la maison bientôt. Tu sais que tes petits frères doivent aller à l'école. La rentrée, c'est bientôt. Voilà. Parce qu'il sait qu'on te paye le premier, il faut que tu envoies ta dîme chez lui. Je ne suis pas là-dedans. Si tu viens me faire ça, tu vas vouloir contrôler mon ministère. Et il n'y a que mes ancêtres qui me contrôlent. Il n'y a que mes guides qui parlent, je fais. Pour vous là. Apprenez à devenir rigoureux. Devenez strict. C'est pour ça que votre vie est bloquée. De nos jours, hein, il y a un laxisme que... C'est bien que les gens arrivent même dans la spiritualité, ils sont laxistes. Oui, tu te laves au sel. Ah, la suite, de temps en temps. Une fois par mois ou bien tous les 3 mois. Ouais, ouais. Et puis voilà. Oui, mais guide-moi déjà dit, je sais que je dois venir au village. Je sais que je dois venir là-bas faire un salaka. Ça fait 2 ans qu'on m'a dit. Ah, 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 ah. Donc, tu laisses les instructions qu'on t'a données. Tu viens me voir. Tu crois qu'elle va te dire autre chose que ça. Méchante que tu es. Méchante. Et ils m'ont déjà dit ça. Je sais. Mais je voulais d'abord me marier. Ça fait 5 ans que tu es en Suisse. On t'a dit ce que tu dois aller faire au village. Me contacte que tu veux la consultation. Quand je vois ça, il te dit oui, mais tu sais, je veux. Ouais, on ne manipule pas les esprits. C'est pour ça que votre vie est bloquée comme cela. On vous dit ce que vous devez faire. Non. Ça doit être comme vous voulez. Ça ne va pas avec ce que tu veux. Tu n'es non. Tu peux avoir une autre personne.
Après, tu peux avoir un autre père. Après, on a dit qu'il y a une mère quelque part dans un petit village là-bas. Tu peux encore la voir. Ne passe pas chez moi. Va d'abord faire ce qu'on t'a dit là-bas. Hush! Vous pensez qu'on manipule les esprits? On ne les manipule pas. Quand vous allez commencer à devenir ferme, devenir strict avec les gens, vous allez voir comment vos choses vont avancer. La paresse, non, oui. Mon recette dit que la paresse nous tue beaucoup. Le truc, c'est que quand dans ta paresse, hein, comme tu es paresseuse là, tu veux que quelqu'un d'autre te dise que non, ça va, reste dans la paresse. Les ancêtres vont le faire quand le moment viendra. Non, laisse ça, mof. Laisse-moi ça. Il y en a ici là, vous êtes des guides spirituels. Mais vous êtes caché derrière le make-up. Non, tu sais, moi je suis venu aux États-Unis. Il faut d'abord que j'ai mon passeport. Mamie, c'est pour ça que depuis 8 ans, ça te tourne. Depuis 8 ans, on te tourne pour le passeport, mamie. Continue de chercher le passeport. On va te feigner, tu vas voir. Vous pensez que les ancêtres ne vous parlent pas? Les ancêtres vous parlent. Souvent l'autre te prend, tu la prends en consultation. Elle te dit, tu sais, à mon boulot, je suis détestée, voilà. Tu commences à voir que voilà, elle a les pouvoirs, elle a les dons prémonitoires, elle fait les rêves prémonitoires. Tu lui dis, oui, je sais, ils m'ont même déjà dit ce que je dois faire. Oui, oui. Ok, ma chérie, tu as alors fait. Tu sais, moi, je veux d'abord travailler. Hein. Souvent, vous m'amusez dans les consultations. Je vous chauffe. Je vous chauffe. Je ne crois pas que c'est parce que tu es venu me payer que tu crois qu'elle va te dire le contraire. Il te dit ce qui est. Tu ne veux pas, tu laisses. Manipulateur que vous êtes là, vous aimez manipuler les gens. Vous aimez manipuler les gens, n'est-ce pas? Je sais que j'ai les dons, hein. Je sais, mais... Tu t'es... La puissance est dans la parole de Dieu. Oh, attends, il te bloque un peu, pardon. Tu t'es trompé d'endroit. Dieu, c'est qui? Dieu, c'est toi. Vous êtes très bête sur TikTok. On vous a abruti avec la religion. Vous aimez dire que Dieu est loin, il est loin là-bas au ciel. Donc voilà. Vous êtes les cieux. Votre Père qui est aux cieux. Vous êtes les cieux. Jésus est venu, il a dit fatigué que vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux, vous êtes des dieux. Est-ce que ça vous a... non. Jésus, aide-nous. Jésus, aide-nous. Et il vous explique, il s'assoit, il explique, vous n'écoutez pas. Il enseigne, vous n'écoutez pas. Il y a les gens autour de vous qui vous bloquent. Et ils ne veulent pas que vous sachiez ce que j'explique dans mes vidéos. Et eux, ils connaissent. J'ai travaillé sur un ami une fois. Avant que ce soit mon ami, il avait aussi un autre ami. Et cet ami, c'est quelqu'un qui faisait même les stages au Bénin. Donc, pas en formation ou bien... Stages d'initiation qui font 4 mois. Oh. Les bas 5 semaines. Oh. Quand l'ami la voit que je marche déjà avec cette personne-là. Ah, il faut lui dire, hein. Moi, lui a parlé. Dis-lui. Il doit travailler sur lui. Je lui dis, mais attends un peu. Tu le connais depuis. Ça fait au moins 7 ans. 9 ans. Tu ne lui dis pas.
Maintenant, quand tu vois, on est amis maintenant. Et tu sais que moi, ma bouche là, tout ce que je connais, si tu es mon ami, il te dit. Tu veux faire, tu fais. Tu ne veux pas faire, tu laisses. C'est comme ça que cet homme-là m'approche et commence à dire, tu vois, il faut lui dire, dis-lui, explique-lui. Merci le Mexicain noir. Je vous envoie de la lumière à ceux qui m'envoient de la lumière. Ceux qui sont se pointent avec leur grosse tête noire là. Je casse ça. Je brise vos têtes. Au nom de Jésus. C'est-à-dire que tu connais quelqu'un depuis, tu vois la personne souffre. Les affaires de la personne ne marchent pas. Toi, tu es à côté, tu brasses les millions. Quand tu vois maintenant que la personne là a rencontré quelqu'un qui va commencer à l'aider, tu apparais. Tu apparais comme un carabien. Un sorcier carambaen. Ou c'est carabatien. Hein? Il n'a même pas fait 6 mois de travail sur l'homme-là. Hey! Comment ces choses avançaient? Il reste comme ça un jour pour rien. On dit, monsieur, prenez l'argent. Il reste comme ça là. Son comptable l'appelle un jour, il dit, tu sais, je vais te montrer comment tu vas faire pour économiser sur les impôts. Hey! Il faut voir comment, en l'espace de 6 mois, l'homme l'a économisé de l'argent. Les trous par lesquels son argent sortait, fermé, comblé, comblé, comblé. Un beau jour comme ça, il reste. Quelqu'un porte l'argent, va lui donner. Que je te prête l'argent. Prends, lance ton business avec. Et s'il vous plaît, il y a certains de vos amis qui partent checker sur vous. Hein. Vous avez les amis que... Si tu as un ami que tu soupçonnes, et l'ami là te fait un cadeau, hein, ne prends pas les risques. Dis merci beaucoup. Prends le cadeau là. Va déposer quelque part. Jette même. Parce qu'un jour... J'ai un ami qui m'a fait un cadeau une fois et je sais que l'ami là est abonné au Bénin. Hein? L'autre jour, j'étais en train de faire une sorte de vie de grenier. Donc je vois l'habit là, ça me plaît, j'ai dit qu'elle veut porter. Dès que je prends, je veux passer la tête dedans. L'esprit. La connexion vient de me lâcher, c'est revenu. Vous êtes là. Bonjour, monsieur Jeannot. Il n'a même pas vu. Est-ce que vous êtes là? Donnez un message pour que je sache. Et voir si vous n'arrêtez pas. Bonjour à vous. Ok, Facebook est toujours là de toutes les façons. Il fallait qu'il mette ma collection. Il était en train de dire qu'il voulait porter l'habit. L'esprit me dit que un béninois certifié te donne l'habit. Tu portes. Vous savez ce qu'elle fait. J'ai pris l'habit là et jeté. Maman, c'est quoi ce calme là? Voilà le calme qui va se passer dans ta vie maintenant. Ta vie va devenir calme.
ta vie va devenir paisible. Voyez. Tous les Decepticons qui te calculaient là. Tu sais, quand tu es victime d'une manipulation et quelques années plus tard, tu te rends compte que c'était telle personne qui prenait mon énergie. C'était telle personne qui prenait mon énergie. Ça fait mal. Mais il faut remercier Dieu pour la sagesse. Parce que ça aurait pu continuer pendant des années. Vous me suivez, non? Ça aurait pu continuer pendant des années. Tu vas rester comme ça, tes choses vont marcher. Pardon, ne me donnez pas le rhume, hein. Ne me pas le rhume, s'il vous plaît. Tes choses vont marcher jusqu'à... Tu vas dire que yeah. Parce qu'il y a certaines personnes qui seront sorties de ta vie. Et je déclare que ce mois d'octobre, tu vas entrer dans ta terre promise. Tu sais qu'il y a certains pays que à la naissance, tu étais censé être opéré là-bas. Dès que ton pied touche le sol là, tes choses commencent à marcher. Tu sais ça, non? Dès que tes pieds touchent le pays là, je déclare que tu vas entrer dans ta terre promise. Oh. Ils n'ont pas encore vu. Ils n'ont pas encore vu. Ta vie va tellement marcher que toi-même tu vas rester comme ça. Les gens vont te servir. Je vous dis souvent que j'étais la cheftaine débloquée. Je ne blague pas. Donc si on arrivait quelque part, tout, il y avait un réseau, tout le monde passe. Quand moi, il vient, dès qu'elle veut mettre mon pied comme ça là, on ferme la porte. Pac! J'ai dit que yoï. Oui. Ha. J'arrive dans un pays comme ça là, tout le monde fait les papiers. J'ai même fait le marathon pour avoir les kaolo, non. Le Joe là, quand j'ai fait ma part, son way ne wakaye plus. Vous ne m'entendez plus. Vous m'entendez? Vous m'entendez, oui ou non? C'était la cheftaine débloquée. Quand ils voient comment mon énergie est devenue aujourd'hui, je ne savais même pas un jour que c'était possible. Ah. Quand quelqu'un te dit que non, je vais faire ton visa pour tel pays, moi je savais que ma part là, ça ne va pas waka. Tellement j'étais habitué. Ce qui fait que quand on dit visa refusé, il dit voilà, je savais. Madame, nous sommes désolés, nous ne pouvons pas vous accorder le visa, gna gna gna. Voilà, je savais. J'ai dit non. Je déclare que c'est la fin de tes blocages. Je déclare la fin de tes blocages au nom de Jésus. Même si le son est retardé, écoutez seulement, du moment où ça arrive, même si ça arrive dans 2 minutes. Je déclare la fin de tes blocages au nom de Jésus. Tu commences 5 projets en même temps. Tous les 5 projets marchent. On ne va plus jamais te bloquer dans ta vie. On ne va plus jamais te bloquer dans ta vie. Donc tu es venu accompagner les gens. Tu vas lancer ton chantier. En fait, mamie, tu vas acheter la maison même qui est déjà faite. Tu vas acheter la maison qu'on a déjà construite.
tu vas acheter l'immeuble au nom de Jésus. Tu vas acheter l'immeuble au nom de Jésus. Tu vas acheter l'immeuble. Le temps qu'on prend pour construire, pour faire ceci, pour faire cela, toi tu achètes ta part, c'est déjà fait. Je décrète ça sur toi. Crédit bancaire que tu attends depuis là. Cette semaine, la banque va t'appeler. Madame, vous avez droit à telle somme de crédit, 500 000 euros. Tu portes que bam, tu peux investir. Tu portes, tu achètes la maison, tu fais le Airbnb sur ça. Écris cela, c'est la fin de mes blocages. C'est la fin. Hey. Maintenant, assure-toi que ta bouche ne prononce plus les mots-là. Parce que tu étais déjà tellement habitué avant. L'une des premières choses que j'ai faites, c'était que je me suis entraîné pour ne plus dire que j'étais bloqué ou je suis bloqué. Je me suis entraîné. Souvent, reste comme ça là. Tu traverses la nuit noire de l'âme, blocage financier, nuit noire de l'âme. Tu attends un paiement. On envoie l'argent, ça cale en l'air. Western Union a bloqué la transaction. Alors qu'il y a tous les papiers. Tu dis, mais c'est quoi ça? Tu as besoin de l'argent là avant 14h pour partir payer quelque chose. Sinon, ça part. Pour louer une maison ou bien pour payer une maison. Sinon, la maison part du marché. Je déclare que tu n'auras plus de blocage financier au nom de Jésus. Je t'enlève de la salle des bloqués. Je te mets dans la salle des choisis. Que toutes les choses avancent. Est-ce qu'ils connaissent même qui tu es? Est-ce que toi-même tu connais qui tu es? Hein? Le jour où vous allez venir me voir, je suis une petite femme là. Je suis comme mon voilà. Je suis comme vous me voyez là, futur milliardaire bien sûr. Mais je suis comme vous me voyez là. Futur milliardaire, mais je suis toute petite comme vous me voyez là. Le jour où j'ai compris qui je suis, hein, c'est pas parce que vous ne savez pas qui vous êtes que vous allez venir m'influencer. Si toi tu ne sais pas qui tu es. Alors souvent j'ai des clients comme ça là. Elle vient, oui, elle tourne autour de toi. Oui, maman, ne m'appelez même pas maman, m'appelez plus maman. Vos mamans des hypocrites là. J'ai l'âge de ta mère. J'ai l'âge de ta mère. Maman, maman. Marraine, marraine. Marraine des hypocrites. Appelez-moi Reine Lumière, point. Bonjour Reine Lumière. Je te dis bonjour, il n'y a pas de problème. Comme tu ne connais pas qui tu es. Tu viens, tu veux qu'on ne fait pas, on marche ensemble. Toi et moi, tu connais pas qui tu es, moi aussi je connais pas qui je suis. Oh. Je me rappelle à l'époque, quand je venais de décider de suivre ce chemin-ci là. J'ai rencontré un Joe. Lui là-bas, il était encore dans l'hésitation. Est-ce que je peux, est-ce que je... Il lui a dit que papa, tu sais quoi, je vois que tu ne sais pas encore qui tu es. Je n'ai pas le temps d'attendre. Je n'ai pas le temps d'attendre pour voir si tu vas te décider. Pour voir si ton potentiel va donner. Décide pour toi, comme Josué a dit dans la Bible. Moi et ma maison, on part comme ça là. Je ne sais pas pour vous, mais moi et ma maison, on part comme ça. Et je me rappelle, ça m'avait beaucoup libéré. On fonctionnait ensemble, il faisait des trucs. Quand il est content avec moi, il fait son lavage au sel. Pendant les problèmes, il laisse tout. Tous les bracelets, les déclarations, il laisse. Un jour, une énième fois qu'il fait ça, je regarde comme ça et dis que papa, est-ce que tu sais même avec qui tu t'amuses? Que tu sois dans ma vie, que tu ne sois pas, je ferai ce que je suis appelé à faire. Que tu saches qui tu es, que tu ne saches pas. Moi, je fais ma part. Vous n'êtes pas décisif. Bon, tu sais, comme c'est mon gars, on va faire ensemble.
on viendra. Dans le jour où il laisse là. Le jour où il laisse là, toi aussi tu laisses. Même les enfants, hein. C'est que ça doit être une conviction personnelle. Tu dis à l'enfant que voilà, ça fait. Tu fais ton travail comme tu peux sur l'enfant. Si l'enfant ne veut pas, tu lui dis. Je n'assume pas les conséquences de tes actes. Moi, je donne trop le libre arbitre à mes enfants. Trop. Le libre arbitre, pour moi, c'est la clé. Tu fais bien, tu passes. Tu fais mal, tu échoues. Voilà. Il y a des gens que c'est leur... ils se prennent un malin plaisir. Ils veulent te déstabiliser. Quelqu'un vient, tu travailles sur elle, tu travailles. Tu connais la force de ton travail. Elle part. Elle flirte avec un esprit là-bas. Elle flirte avec quelqu'un quelque part là-bas. Après, quand les choses ne marchent plus, elle revient, elle te dit, ouais. Donc, elle te fait douter de ton travail. Tu wonder que, mais attends un peu. J'ai tout donné à la femme-ci. J'ai fait tout comme on fait normalement. Comment ça se fait que sa part n'a pas marché? Mamie, elle se moque de toi. Parfois, c'est ton frère ou ta soeur que tu mets sur ça, non? Tu rêves que le serpent t'a mordu, il faut travailler sur toi. Tu as des attaques spirituelles. Quand vous parlez, vous ne travaillez pas sur vous, non? Vous ne travaillez pas sur vous, n'est-ce pas? Tu rêves que le serpent t'a mordu. Ne travaillez pas sur vous. Là, il est là. Quand on parle de travail spirituel, vous dites qu'on est fou, non? Les choses qu'on peut faire en un an, tu vas faire ça en 5 ans. Parce que tu es bloqué spirituellement. Et vos premières attaques, c'est votre famille. Quand vous vous précipitez, si un membre de ta famille ne vient pas de lui-même, juste qu'il te montre même qu'il me connaît. Que voilà, je regarde les vidéos de la femme-ci. Tu passes ton temps à envoyer mes vidéos dans ton groupe familial. Tu crois qu'il ne voit pas? Le pire, c'est que votre oncle là qui a bloqué tous les membres de la famille, quand il voit que tu commences à envoyer les vidéos là, il va dire que oh, elle commence à vouloir sortir du trou. Il va partir encore visser le trou dans lequel il a déposé les membres de la famille là. Il va encore vous visser. Il va encore bien fermer le couvercle de la mamite. Et là, tu veux montrer à tout le monde dans la famille que tu es Jésus de ta famille. Ce serait le David de ma famille. Ce serait le Joseph de ma famille. Joseph, pour délivrer sa famille, a dû s'éloigner de sa famille. Hein. Joseph n'est pas devenu premier ministre en étant à côté de son père. Donc, il faut souvent arrêter. C'est vous qui donnez les armes pour qu'on vous fasse du mal. Parfois tu as l'argent. Faut que je paye pour le lavage de mon frère. Tu payes, ça le libère un peu 2 semaines. Lui-même encore, il peut entrer dans le même trou. Donc, c'est ton agent qui va encore le sortir de là. Il n'aime pas le gâchis d'énergie. Hein. L'argent, c'est l'énergie. Il gâte ton argent, après tu vas encore gâter mon énergie parce qu'il va travailler sur lui, après il va encore repartir dans le trou. Et tu vas croire que mes choses ne marchent pas. Donc, faites attention. Faites attention. Parfois tu fais comme ça là, il vient à côté de toi seulement pour savoir le secret de ta réussite. Ah, donc c'est la femme qui travaille sur toi. C'est pour ça que depuis là tu as eu le visa. En 6 mois, j'ai vu comment tu as eu le visa. Tu as un nouveau gars. Hein? C'est comme si tu aimes trop. Beaucoup de ces personnes là, hein, ils ont leur propre marabout personnel. Continuez. Tu es gentil. Tu es mère Teresa, non? Il faut toujours te thériser toi-même. Tu vas conjuguer le verbe Teresa. Moi, je ne mâche plus mes mots. Je ne mâche plus mes mots. Tu vas conjuguer le verbe Teresa. Je voulais aider. Je voulais... Libère-toi d'abord toi-même.
Libère-toi. Libère-toi totalement d'abord. Parce que souvent quand vous parlez, vous maîtrisez, non? Je maîtrise. Maîtrisez toujours, vous allez boire l'eau. On va faire sortir le petit chien ici là. Bonjour chouchou, ça va? Ça va? Allez, attends. Marche, marche là-bas. Allez, ne saute pas sur moi. Regardez là. On va marcher, allez. Descends, descends. Descends, viens par ici. Non, 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 viens, viens. Je ne vais pas pour boire de l'eau avec toi. À un moment, la sagesse est nécessaire. Que tu m'en sais quoi? Et cette sagesse-là va te permettre de conserver ton énergie, d'arrêter d'essayer de convaincre les gens. Les plus sages, ce ne sont pas ceux qui parlent. Les plus sages ne sont pas ceux qui parlent. Parle pas beaucoup. Tu ne parles que si on te demande. Parfois, quelqu'un vient même il te demande même. Tu connais, mais tu ne montres pas. Parce que tu attends, non, tu le testes. Certains sont tellement mesquins que quand ils viennent te demander de l'aide comme ça, là. Oui, ouais, dis-moi un peu. J'ai vu comment tu avais les boutons sur le visage. Maintenant, tes boutons s'améliorent. Tu as fait comment? Parfois, tu dis que non, seulement la prière. Que la prière. La prière. Tu suis la prière. Est-ce qu'il vient te voir pour aller maintenant te bloquer encore? Vous serez surpris de voir les gens qui vous détestent. Et il y a ce qu'on appelle le mauvais œil. Le mauvais œil, j'ai aussi compris que c'est un outil qui fait que... Le mauvais œil, c'est un nom qu'on a donné. Supposons. Ok? Tu as 45 ans. Tu n'es pas marié. Tu as deux enfants, voilà. Deux pères différents. Tu es au pays là-bas, tu galères. Dans la famille, on se moque de toi tout le temps. Toutes tes cousines, tes tantes, tout ça, là, ils sont en Europe, mariés, belle maison, belle voiture. De temps en temps, ils t'appellent, ils checkent. Tu fais quoi? Tu es où? Qu'est-ce que tu fais de ta vie maintenant? Voilà leur question là-bas. Le jour où tu vas lui dire, hey, j'ai rencontré un homme. Vraiment, on se marie dans deux semaines. Maman, ils sont déjà mariés, ils ont tout. Hein. Tu viens de provoquer quelque chose. C'est ça qu'on appelle le mauvais œil. Peut-être s'ils entendent que tu es arrivé en bain. Ils t'appellent. Ça fait 4 ans qu'ils ne t'ont pas appelé. Hey, bonjour, Laetitia. Hey, je dois faire les sketchs. Pourquoi je ne fais pas les sketchs? Bonjour, Laetitia.
J'ai appris que tu es maintenant en France. Tout appel qui sonne sur ton téléphone, jusqu'à tu prends, tu dis que tu parles avec la personne. Vous parlez de quoi? Tu vois, tu as porté une collègue dans la voiture. En descendant, elle me laisse un remède pour te... Oh! Ah, quand j'écoute souvent vos histoires ici, là, les gens sont méchants. Le mauvais œil, là, c'est qu'elle voit qu'elle n'a pas pu avoir la... Elle n'a pas pu avoir la voiture depuis. Parfois, elle a même la voiture. Parce que les gens qui vous détestent, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas. Tu ne m'as pas dit que tu venais en France. Dans ton cœur, tu es là, tu dis que, hey, maman, tu m'appelles pourquoi? Ça fait même 5 ans. Dernière réunion familiale qu'on a fait, que tu... Waouh, un beau papillon violet, blanc, blanc-violet. Bien voulu, bébé, là, ok. Et ça fait même 5 ans qu'on ne sait pas parler. Pourquoi la femme cela m'appelle et... Quand elle te parle, plus ton énergie est bizarre. Il y a des personnes tellement méchantes et fortes spirituellement. Que le fait seulement que tu sois au téléphone avec elle, elle absorbe ton énergie. Elle n'est pas partie au marabout. Hein? C'est des personnes violemment méchantes. Tellement noir dans leur âme. Des personnes qui aiment contrôler les gens. L'esprit négatif qui la domine là, ça l'a poussé à t'appeler. Ou déverser. Et tu sais qu'il y a les réactions souvent à ton bonheur, genre tu vas te marier. Félicitations. J'espère que ça va marcher. Vraiment, les hommes aujourd'hui, il est même doux. Il est bêtis. Un bêtis de Paris. Non. Maman, j'espère qu'il est différent. Parce qu'on m'a dit que les gars de Paris, là, ils sont violents. Hein. Tu ne lui as rien demandé. Hein. Le mauvais œil, c'est ça, en fait. Le fait que quelqu'un sache que tu es heureux. Le fait que quelqu'un sache que tu es heureux. Reine! Voilà ma chaîne là-bas, elle est en train de poursuivre le lézard. La chaîne s'est vu quoi sur les lézards. Oh. Reine! Viens! Regardez là comment elle vient, regardez. Regardez comment elle... Tu sautes sur moi, tu veux quoi au lézard là, hein? Qu'est-ce que le lézard là t'a fait? Toi là, tu es une autre personne. You are something else. Tu vas chercher les puces. Tu es sur le lézard là-bas. Voilà. Quand le nom de la personne s'affiche, tu décroches que tu décroches quoi? Hein? Un mauvais œil. Ce matin, j'ai dit que je passe sur mon statut, les gens qui ont regardé mon statut. Bonjour le roi Wafo. Je vois quelqu'un qui me doit l'argent. Il ne me doit pas 50 000. Hein. Oh. Il est en train de checker mes statuts. Vous avez vu que, oh my God, un beau papillon blanc. Papillon blanc, bonjour. Je me suis dit que, mais quand je t'appelle, tu me snobes avec mon argent. Hein? Tu viens regarder mes statuts là, ce n'est pas le mauvais œil. Parce que quand ils prennent ton argent, ils te doivent comme ça là, ils croient que tu vas mal te porter. Mais comme ils voient, tu es toujours bien. Quelqu'un peut être en position de faiblesse avec toi, genre, c'est lui qui est en tort. Même comme ça, il vient encore avec son mauvais œil sur toi. Et il faut vraiment un degré d'humilité. Il faut un certain degré d'humilité. Je vous assure.
Yeah, tu es parti là-bas, l'eau t'a mouillé. Yeah, le chien, si. Yeah, elle est partie dans l'eau. Qui t'a envoyé là-bas? Hein? Ne passe pas sur moi, ne me touche pas. Quitte-moi. Tu cours toujours partout là. La fissière. C'est bien, ça va bien te démanger. Lou, non. Lou, là. Lou. Lou. Faut laisser ma chienne, c'est là. Elle est têtue. Il y a un petit ruisseau ici là. Elle est partie tomber dedans. Comme elle saute partout là. Elle est partie sauter dans l'eau. Voilà, voici ça. Voilà, me fait comment pour sortir où? Parce que l'eau aussi dépasse sa taille. Ouais. Tu es encore venu. Oh, pinceau. L'eau, quitte-moi. Pardon, laissez-moi échapper la petite fille là.